Gloria de Polnareff. Donc d'un peu plus près, Gloria de Polnareff. Dans les quelques chansons qu'on va voir. Qui a tué grand-maman, tous les bateaux, tous les oiseaux. Goodbye Marilou. I'm Calling. Holiday, Capodastre à la première case, L'amour avec toi, avec l'introduction ici, Sous quelle étoile suis-je né,
Love Me, Lettre à France, qui est déjà fait, Mes regrets aussi. Alors, l'ordre des dièses qu'on a déjà vu, mais je rappelle quand même, en sol on n'a qu'un dièse, en ré on a deux dièses, en la on a trois dièses, en mi on a quatre dièses. Fa, do, sol, ré, enfin, par exemple. Ensuite, en fa majeur, il y a un seul bémol. En si bémol mi majeur, il y a deux bémols. En mi bémol majeur, il y a trois bémols. Il faut rajouter un bémol, hein, par rapport à la tonalité. Je me suis trompé tout à l'heure. Alors, donc ça, on l'a vu déjà. Je rappelle que il y a toujours une case entre la septième et huitième note. Donc le ré, et c'est des notes différentes, hein. C'est ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Il faut mettre des dièses ou des bémols pour avoir les espaces deux cases, une case, deux, deux, deux et une. Donc il faut mettre des dièses quand il y a besoin ou des bémols quand il y a besoin. Et on prend des noms de notes différentes. Alors là par exemple c'est la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc do, on a déjà vu ça. Alors j'ai fait pour les autres gammes, et donc les accords correspondants en majeur ou en mineur, ou en quinte plus ou en diminué. Sol, ré. Sol en rouge, c'est la première note de la gamme, deuxième note de la gamme, troisième note de la gamme, et là c'est les espaces entre les notes, hein. Entre la première et la deuxième, il y a deux cases ou un ton. Et quand c'est qu'une seule case, ça s'appelle un demi-ton. Le la, mi, si, fa, si bémol. Mi bémol.